L'actuel président du Gabon a tenu un discours enflammé dans lequel il fait savoir à ses partisans sa volonté de briguer un troisième mandat malgré son état de santé fragile. Après avoir passé près de 10 ans à la tête du Gabon, Ali Bongo tente de se maintenir au pouvoir en violation de la loi fondamentale du pays. À l'occasion de la 54e anniversaire de l'ancien parti unique, dont son père, Omar Bongo Ondimba, fut l'un des fondateurs. Le 12 mars 2022, Ali Bongo a réitéré sa volonté de se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Chers camarades, 2023 approche à grands pas. Je serai là avec vous. Vous, pour vous, ce sera la victoire. Une victoire franche, nette, indiscutable, pour que le travail commencé soit achevé. Là, je vous demande à toutes et à tous, dans chaque ville et chaque village du pays, dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque maison, de porter haut et fort le message du PDG.